T'es nul. C'est nul, bah ouais, c'est nul. Je fais 21-5 ce matin, je fais 21-7 ce soir, donc... Heureusement que c'était une finale de championnat de France et pas une finale de championnat d'Europe, championnat du monde. Ça m'inquiète pas, parce qu'on est en avril, mais ça donne pas des points de confiance. J'étais vraiment bien ce matin, je voulais faire un peu pareil ce soir et j'arrive pas, donc c'est frustrant. J'ai quand même un peu de vécu maintenant sur cette course et je stagne un peu depuis 2-3 ans et c'est un peu chiant. Même sans arriver au plus haut niveau mondial ou olympique, je veux toujours progresser et c'est de plus en plus dur. Je suis vraiment très contente parce que y a 3 semaines j'étais blessée, il y a 4 jours je pouvais pas plonger encore. Et là finalement j'approche mon meilleur temps de 1 seconde, puis 1 centième pardon. Et je me retrouve qualifiée, c'était vraiment très dur cette semaine parce que j'ai vu tout le monde nager, tout le monde faisait des montants et moi j'étais là, j'attendais. Et finalement ça se termine sur une jolie performance et une qualification, je pouvais pas espérer mieux. À aucun moment je me suis dit je vais arrêter. Bien sûr ça a été très dur hein, quand on s'arrête pratiquement un an, quand on reprend, on n'a plus aucune sensation, on se sent un peu perdu. Mais voilà, c'est ce que j'aime nager. Après c'est pas toute ma vie, je fais des études aussi, mais je prends toujours autant de plaisir.